Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Factorio. On se retrouve avec Katox. Salut Katox. Salut. Et on devait aller jeter un œil un petit peu à ce que tu nous avais fait de beau avec les tourelles pendant que tu nous préparais du soufre, car bien sûr tu n'as pas oublié. Non. On va s'y mettre. toute façon, d'ici qu'ils servent. Alors, ah oui, effectivement, t'as doublé. Ok, donc là on a 6 tourelles hein, qui visiblement nettoient même les grosses saloperies. On va pas rester sur les rails parce que c'est un coup à se faire écraser comme un con. Ouais, ça sera un fumble, c'est triste. Par contre, du coup, on ne pourra plus passer notre voiture. Hein. On sera obligé de passer notre voiture sur les rails. Hein. Ça, c'est terrible. Terrible, terrible, terrible. Il suffit de regarder sur la carte si t'as un train qui va arriver ou pas. Ne pas faire les technologies qui permettent que le train aille encore plus vite. Je crois qu'il y a une technologie qui permet que le train ne t'écrase pas. Ah, Ou il y a un truc sur l'exosquelette ou quelque chose du genre. Bah, je sais qu'il y a une techno qui fait que le train peut freiner plus vite et que donc du coup il peut accélérer plus. De fait, quoi. Mais j'ai pas vu d'autres techno. Après, j'ai regardé juste dans les technos qui sont disponibles. Donc, voilà, force de freinage, c'est ça. Ouais. Il y a probablement ouais, des trucs, bah j'imagine, hein, parce qu'au bout d'un moment ça doit être relativement commun de te faire écraser, surtout quand tu commences à avoir autant de rails que t'as de convoyeurs. Donc on a une bonne défense ici, on va faire un peu de tour dans le domaine. On a de la place encore, hein. Ouh là là, la petite attaque ici, là justement, qui se fait nettoyer, je pense que c'est le mot. Oui, normalement ça devrait aller, franchement. Il n'y a que dans celle du milieu en bas hein, qu'on a des portes, hein. Les autres endroits on n'a pas de portes. Hein. Oui. Mais les autres en là sont pas encore attaqués parce que la pollution va vraiment aller titiller tous les. Bah là, ce duo commence à venir. Hein. Justement, j'ai assisté à une attaque là. Est-ce qu'il faudra peut-être faire c'est un de ces quatre, enfin, même si c'est des énormes trucs. C'est aller nettoyer ceux qui sont autour du minerai de fer, au-dessus des Ouais, champs de pétrole. quand il va falloir qu'on le récupère, ouais, je suis d'accord. Il va Parce que mine de rien, falloir. avec la carte, tu sais voir combien il reste de ressources. Ouais, et ça Au-dessus dépote, de... hein. Bah... 391K, 128 K de pierre. C'est la pierre qui va nous poser problème en fait, hein, limite. Bah, la pierre, elle disparaît relativement vite, mais bon, après... C'est pas un truc qu'on bouffe énormément non plus. On en a besoin pour Par nos contre, recherches en fait, c'est surtout ça. fer, on a ce qu'il faut, mais cuivre, je vois pas d'autres champs de cuivre. Bah, il y en avait Donc d'autres, je crois, faudra... sur la map d'origine, donc il va falloir qu'on explore un peu, ouais. Ouais, il va falloir qu'on parte... Il y a un bout de cuivre encore, de fer encore à gauche là. Parce qu'il En faudra s'y mettre à haut, temps pour éviter de se faire défoncer. il y a du charbon. Bah après, au pire, on arrive en cours. Réellement, le seul truc qu'on produit vraiment là, c'est de la science. Aujourd'hui, on ne fait rien d'autre. Hein. Bah, On c'est, je sert crois ce que c'est tout qui le est. but de produire de la science. Oui, Je je vois pas ce sais, qu'on pourrait mais produire d'autre. les chargeurs, c'est accessoire. Enfin, si ça s'arrête, on n'a plus de science, mais on va pas crever, quoi. Oui, mais le truc, c'est que si tout s'arrête et qu'on a vraiment mal calculé notre coût, bon, normalement, il faut vraiment y aller, on n'aura même pas de quoi se faire des rails. Oui, certes, c'est vrai que ça pourrait Donc, ça arriver. veut dire qu'il faut au moins s'assurer une partie. Allez. Je vois ton point, je vois ton point. Bah, c'est vraiment un cas, on va dire, critique, mais Mais c'est vrai que si ça c'est le cas, pourrait. c'est. Voilà, ça veut dire tout repartir à la main et vraiment focus sur la création de rails C'est vrai ou que ça autre. pourrait Après, arriver, ouais. je peux peut-être faire ça sur un côté, juste taper un truc qui construit des rails en folie. J'avais oublié, j'ai toujours mon poisson cru dans mon Rails, inventaire, quoi. pierre et plaque d'acier. Pierre-pierre ou pierre-bloc? Non, pierre-pierre. Je peux le lancer ou faire un truc? Ah, quand je clique sur le sol, il disparaît de mon inventaire, mais il ne se passe rien. Ok, peut-être que si je clique sur un ennemi, ça lui lance un poisson, je ne sais pas. Ah oui, t'as toujours ce truc de poisson. Effet, moins 80 physique. Alors, peut-être que je peux le manger. Que c'est ça en fait, je le mange un truc du genre. Ah, il se passe quelque chose sur mes grenades hein, quand je clique. Ouais, ça me paraît pas évident. Ah, je peux peut-être le mettre dans mon armure. Hein. Après tout, pourquoi pas. Non, absolument pas. Bon, bah écoutez, si jamais quelqu'un sait quoi foutre avec le poisson, dites-le moi parce que c'est peut-être un truc pas encore implémenté, hein, c'est aussi possible. Hein. Ou c'est peut-être genre un reste de... Allez. Comment ils appellent ça? Un reste de poisson d'avril, justement.
Ah oui, tu penses un event ou un truc du genre, ouais, peut-être. Peut-être bien. C'est vrai que c'est pas, c'est possible. Oh, mais j'ai plein de potions sur dans mon inventaire. Bon, on ira s'en débarrasser plus tard. On devait faire, je crois, des potions bleues. Et on devait commencer par faire des circuits électroniques avancés pour ces potions bleues. Et du coup, il nous fallait plein de cuivre. Hein. Et un peu de fer, ouais, et un peu de fer. Plein de cuivre et un peu de fer. Ok. Plein de cuivre et un peu de fer, on devrait pouvoir gérer ça. Ouais. Plein de cuivre et un peu de fer, on a à peu près tout ça ici là. Et on pourrait éventuellement construire un truc qui nous les amènerait là. Ça me paraît de l'eau, du gaz. Plutôt envisageable de faire ça là. Gaz pour le fer, de l'eau. Ok. C'est un petit peu serré par contre, mais bon. Je fais quoi, deux raffineries, deux production de soufre ou... Ouais, ça suffira largement, je pense. Ouais, pour le début, ce sera bien. Je pense. Ah, c'est pas digne en fait, hein. Faudrait que je fasse. C'est un petit peu trop serré presque ici pour faire ça. Ouais, parce qu'entre les bras pour ramener et tout, ah non, c'est trop serré malheureusement. On peut pouvoir se mettre là, ça aurait été cool, mais. C'est un petit peu trop serré. Nos fabrications de circuits, ouais, sont là, on peut pas vraiment les exporter ailleurs. Ah, et puis de toute façon, oui, faut que je fabrique des fils de cuivre. Oui, donc on va se poser là. On amènera du fer après tout, on en a en quantité. Du fer, c'est pas trop un problème pour l'instant. Donc on va déjà fabriquer des fils de cuivre ici. Hop, voilà, il nous faut des grands bras et des petits bras aussi d'ailleurs. Hop, voilà. Derrière, il nous faut séparer ça ici. Il nous faut des trucs souterrains. On n'a plus de trucs souterrains. Il nous faut des plaques de fer. Ça tombe bien, c'est ce qu'on est en train de préparer. Fiche-toi. Hop là. Ça passe là, ouais, parfait. Toc 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 toc. Toc. Merde. J'ai dû merder quelque part parce que j'ai un nombre impair de convoyeurs souterrains dans mon inventaire. Alors, je sais pas où est-ce que j'ai posé un convoyeur souterrain qui ne sert à rien. Mais visiblement, je l'ai posé quelque part en tout cas. Un jour. Ah, on a terminé notre vitesse de tir des armes. Alors qu'est-ce qu'il nous reste de faisable? La robotique de combat. Ouais, on fait ça. Capsule de robot de défense. On pourrait avoir un petit robot de défense qui se balade avec nous. Ça peut être pas mal ça. Allez, faisons ça, c'est parti. Alors ici, on va tout de suite fabriquer des fils de cuivre. Pourquoi ils sont dans ce truc-là, ces fils-là? Câble rouge, câble vert, ils sont pas dans la même section, c'est marrant. Hop, on pourrait presque directement foutre au cul. Ouais, quoique non, ça va être plus chiant si je fais ça. Bon, ça va être trop chiant. On va plutôt récupérer le fer ici, le cuivre là. Donc on va poser ça ici et là. Ou alors je remonte, j'ai la place là, si genre j'en mets toc toc comme ça, ouais ça peut le faire, condenser un peu, hop là, un truc comme ça, hop 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 hop. Hop, sans vire, il faut qu'on décharge aussi, il nous faut des bras pour ça. C'est parti, des petits bras. Pourquoi j'ai plus en tête ce schéma, c'est ouf.
Voilà, comme ça normalement on devrait faire deux rangées. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Il nous faut des poteaux électriques. En fait, c'est pas le bois qui me manquait, c'était les câbles de cuivre pour mes poteaux. Donc ici, on fait, on a dit des trucs comme ça. Hop là. Alors, j'ai pas relié mes poteaux, du coup, ils ne fonctionnent pas. C'est ballot. Voilà. Allez, en avant. Ah oui, en plus les bras, et même pour charger les machines d'assemblage, ils essayent d'en choper deux, alors du coup ils galèrent un peu quand ça défile devant eux, quoi. Bien. Donc là ça marche, mon astuce à la con, ça fonctionne, c'est parfait. On a combien de moteurs ici? 105. Ah, ça avance doucement. Donc on n'a pas vraiment de goulot d'étranglement a priori, hein. C'est le fait que ça met du temps à se fabriquer tout simplement. On va mettre un petit module de vitesse dans celui-là. Hop, c'est parti. Ah, alors, le module de vitesse, il apparaît sur la map, c'est cool. C'est cool. Du coup, on a nos circuits électroniques de base. On va pouvoir commencer à fabriquer nos circuits électroniques avancés, ici. Il nous faut quoi déjà? 3 circuits électroniques, 2 éléments de moteur, 1 de soufre. Ok, donc on va faire direct 3 trucs comme ça. Putain, il fait trop noir, je vois rien. Voilà, c'est parti. Donc là, on va tout de suite dire qu'on veut ça. J'arrive, petite recherche. Attends-moi 2 secondes. Allez, on va faire ça. Ça servira un jour ou l'autre. Donc ici, du coup, on va extraire nos trucs. On va... Est-ce qu'on fait un petit tampon? Oh, pas forcément très utile. Ouais, quoi que si, c'est toujours pratique. On a vu que c'est quand même vachement pratique d'avoir des petits tampons. Du coup, on va décaler d'une case. Hop. Un coffre, hop, et ici. Voilà. Toc toc toc. Well, pourquoi est-ce qu'il veut pas me faire de soufre? Je ne peux pas mélanger mes guides. Non, on s'en fout, il me fait sur deux rangées. Mais encore. Tu ne peux pas mélanger les liquides. Ouais. Certes. Ah mais voilà, parce qu'il faut faire la recherche transformation du soufre. Ah, on n'a pas la recherche transformation du soufre? Sérieux? C'est comment qu'on l'a fait? Si, peut-être bien. Si, on l'a fait. Bah. Composé réactif? Bah si, on l'a fait, du coup. Quoi? Si, ouais, elle est faite, ouais. Ça me semblait bien. 30 eau, 30 gaz pétrolifère. Attends, j'arrive. De toute façon, il va me falloir du soufre pour la suite, donc on n'est pas aux pièces. Genre t'amènes de l'eau dans ton usine, t'amènes du pétrole de l'autre côté, un truc du genre, et elle veut pas? Ouais. C'est de comprendre un peu. Vous ne pouvez pas mélanger vos liquides. Ah ouais, j'avoue. Faut les mettre dans des... Je sais pas. Dans des tonneaux avant? Est-ce que je peux lui foutre un tonneau de pétrole, baril de pétrole brut? Bah non, c'est con, c'est pas du pétrole brut qu'il faut. Bah oui, c'est ça. Ingrédients, 30 eau, 30 gaz pétrolifère. Ouais, j'avoue. On peut faire des mines, des arsenals de missiles maintenant. Parfait, ça. Ouais, bon, enfin on va déjà faire ça, on va faire ça parce que pourquoi pas, mais effectivement il va falloir qu'on fasse les potions bleues à un moment. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Combustion solide, non. Carburant brûlable, on peut fabriquer de l'acide sulfurique. Qu'est-ce que c'est que cette merde?
Et ce qui est marrant, c'est que... Ouais, non, il n'y a pas coût total. Bah oui, non, parce que c'est un truc de base. Bah, pourtant, dans les autres usines, tu les envoyais telles quelles, en plus, les liquides, quoi. Bah oui, c'est ça. C'est ça que je comprends pas. Et tu chargeais le charbon avec un bras, ouais, d'accord. Enfin, attends, faut quand même pas les foutre dans des tonneaux avant, quoi. C'est casse-couille. Bah, je pense pas. Ce sera totalement stupide. Remplir le baril de pétrole, remplir le baril de pétrole lourd, de pétrole léger, de lubrifiant. Ouais, on peut remplir de pétrole, le pétrole de gaz pétrolifère, hein, si on veut essayer. Et remplir le pétrole de... On peut faire des barils d'eau. Ouais, mais attends, mais c'est pas possible, faut pas faire ça quand même. Pourquoi? En plus, bah non, y a des entrées de... Il y a des entrées de tuyaux, quoi. C'est quand même pas pour faire chier le monde Ouais, en c'est faisant ça. des tonneaux. C'est abusé. Et puis en plus, t'as vu, si on choisit n'importe quelle recherche, ça me met vous ne pouvez pas mélanger vos liquides. Hein. Parce que j'ai mis deux. T'as bien de l'eau et du gaz pétrolifère qui arrive. Hop. Gaz J'ai vidé tout ça. pétrolifère. Ah, pour Et mettre à zéro. avant que tu les enlèves, il n'y avait plus que l'arrivée d'eau et c'était ça mettait quand même vous pouvez pas mélanger vos liquides hein, donc Non, peut-être parce qu'elle était chargée en flotte. Ah, ça, hop. Attends, je bouge. Non, c'est bon, Faire t'as une. Voilà. choisir la recette avant, tu veux dire? Ouais. Non, ça marche pas mieux. Ah, Ah, attends. t'as réussi là. Ouais, je pense qu'il y a peut-être une entrée spécifique pour chaque truc. Ah bah oui, il y a marqué Parce que là, j'ai. pétrole et eau en bas. Ah oui, putain, c'est l'eau en haut et le pétrole en bas. Il faut... Voilà, c'est. Donc il faut Blablabla. sélectionner la recette pour regarder quand est-ce que ça. À quel endroit envoyer quoi, quoi. C'est ça. Allez, cornio! Fiche 3 personnes. Les petits coquins. Par contre, effectivement, le débit de gaz pétrolifère, il est relativement variable. Mais bon. Oh, parce qu'il est consommé autant que ce qu'il est. Bah, de toute façon, il faudra qu'on améliore un moment ce Gros lag. truc-là. Allô? Non? Tu m'entends Ah toujours, oui, m'entends? si. Ah oui, si. Attends, J'ai un petit serveur dans la bomba. je vais sauvegarder un coup parce que c'est vrai que j'ai pas sauvegardé tout à l'heure. Oui, je me disais, tu finis pas le tuyau, pourquoi? Mais bah, ça a l'air de fonctionner, hein! Ça a l'air de Bah fonctionner. oui. Ça a l'air de fonctionner. Maintenant, la question, c'est est-ce que c'est solide ou liquide? Du soufre, il y a moyen que ce soit solide, je pense. C'est C'est solide. solide. Et donc, du coup, on a des circuits électroniques. Je suis en train de me demander, il me semblait avoir vu du gaz carbonique, enfin du gaz sulfurique à un moment, mais l'acide sulfurique là. Ouais, il faut Mais c'est racheter pour du autre fer, je chose. crois. Ouais, non, mais c'était pour faire les potions bleues, mais en fait, non, il faut du soufre. J'ai dû halluciner, ça doit être pour faire un autre truc. Ah, c'était peut-être les batteries, ouais, c'est pour les batteries, il faut de l'acide sulfurique, quoi. Ah, c'est les batteries, on en aura besoin, je pense, pour stocker l'électricité si on fait des Ouais, il va en falloir, ouais, carrément, il va nous en panneaux falloir. solaires, à mon avis, ça. Il nous en Bon, faudra ben peut-être pas voilà. 300 000, mais il va en falloir, ouais. Je sais pas si elles ont une durée de vie comme les vraies batteries, ce serait un peu triste. Mais... Bon, bah, du coup, je retourne m'occuper de ma popote en bas. Est-ce qu'on peut réparer les objets cassés? Tu sais? Parce que là, on a les convoyeurs que j'avais pété avec les grenades, mais je sais pas si on peut les réparer. Je les remplace au pire. Merde. Non, arrête, qu'est-ce que tu fais? Je peux pas le changer. Ok, bon, on peut les remplacer, admettons. Alors ici, on a un peu de cuivre qui se barre, on va le choper au passage. Voilà. Donc du coup, on était en train de fabriquer des circuits. On avait tout, je crois. Ah, il fallait des câbles en cuivre aussi pour cela. Merde, hein, j'ai pas vu ça comme ça. Ok.
Bah, j'ai envie de dire, est-ce qu'on pourrait pas tout simplement envoyer ça là? Voilà, il va tout charger comme il veut, nickel. Et ici, on se fait un petit bras filtrant des familles et on envoie. Est-ce que je te fais une arrivée de soufre du coup? Si tu peux, ouais. C'est au centre, alors au centre de où? Bah, tu sais, là où il y a la pierre. Tu peux la mettre allongée les barres de plastique, ça le fera. Ok. Tu seras bien urbain. Hop, donc toi tu vas prendre du comme ça. Toi tu vas prendre un truc comme ça. Et on va l'envoyer. Alors du coup par contre, j'ai pas suffisamment de place. Hop. Je suis pas sûr qu'il va pouvoir le choper là. Même si je mets un bras comme ça, ça va peut-être être un petit peu trop haut. On va voir. Ça le fait. Et lui, il va le faire le taf, je pense. Pareil pour lui. Là, je suis obligé d'en mettre deux parce qu'il y a deux niveaux, mais je pourrais peut-être probablement enlever celui-là. Il nous faut du jus. C'est parti pour un peu de courant. Par contre, celui-là, comment je vais faire pour évacuer les circuits? Je pourrais peut-être évacuer dans ce truc-là. Vu qu'on amène tout, pareil, je vais faire ça, je pense. Évacuer dans celui-là. On a plus de quoi? Est-ce que je te mets sur la même ligne que le plastique? Le soufre, peut-être que ça pourrait être intéressant. Je vérifie. Il me faut du soufre là. Ouais, ça pourrait le faire. Ouais, sur la même ligne que le plastique, ça le ferait complètement. Allez, on va commencer à devenir des fichous de l'organisation. Oh, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Que d'émotion. Où est-ce qu'on en est niveau pétrole? Et là, ils arrivent bien. Ouais, c'est parfait ça. Ils arrivent sur deux lignes différentes. C'est nickel. Hop. 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 Là, on va du coup refaire un tampon avec un bras qui stocke tout. Et on est pas mal. Et on va pouvoir ici foutre un bras filtrant du coup. Il nous en faut encore un ou deux. On va commencer à remplir les bras là. Ah, mais du coup, je consomme tous mes bras normaux là, c'est un peu le bordel. Hop, hop. Bon, j'ai même pas besoin de mettre un bras filtrant puisque de toute façon en face j'ai déjà mis un bras filtrant, donc c'est pas un problème. Et mes bras qui se font consommer au fur et à mesure que je les fabrique. Hop. 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 Voilà. Bon, en attendant. Qu'est-ce qu'on va envoyer? Donc ici on va récupérer cette ligne là, lui on va l'envoyer un là, un là. Ça me paraît pas mal. Il va nous falloir un truc qui coupe en deux. Hein, parfait. Yop là. Et un autre qui part par là-bas. Pour arriver là, ici on fera un petit souterrain pour se repluguer ici. Alors il va nous falloir du souterrain, pas ça, ça, un peu de bras comme ça, hop, 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 merde non, dans l'autre sens, hop, 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 voilà, on a tout niveau bras, parfait, donc là on va choper un bras filtrant, si on veut faire les deux lignes, pas le choix, qui nous amène ici. Hop, hop, hop. Je suis pas sûr si ça va le faire. Et on tombe pile poil en face parce que c'était parfaitement calculé, bien sûr. Ici, on prend
Toi, ici on prend les moteurs, changer la taille de la pile. Tiens, on peut faire plus que moins. Bon, deux, ça, deux par deux, c'est déjà pas mal. Hein. C'est parti, on commence à envoyer un peu tout ça. Poteau, 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 poteau. Un poteau ici, un poteau là, un poteau ici. Tout le monde a du courant, c'est parfait. Et on n'a pas encore le soufre, mais normalement ça devrait arriver. Ah bah ça arrivera pas puisque j'ai pas foutu de bras ici. Voilà, le soufre devrait commencer à arriver. On va pouvoir vérifier si ça marche. Donc là ça travaille, là ça travaille. Là ça travaille. Là ça travaille, là ça travaille. Parfait, on a nos potions bleues. C'est nickel. Et du coup, on pourrait presque les envoyer sur l'autre rangée là si on pouvait, ça serait pas si mal. Ouais, je pense qu'on va faire un truc comme ça. Non, putain. C'est toi les ding-ding là? J'entendais des espèces de ding-ding. Ouais, j'allais voir un peu ce que ça donne au niveau du dessus, mais c'est chaud. Je vais pas te mentir. Pour dégager les bases qui vont être là-dessus, il va falloir être un Ah natif. ouais, t'es en train de tenter le... D'accord. Deux objets ont été détruits, cinq tourelles sont entrées en combat avec l'ennemi. Ah, ils ont détruit des tourelles, carrément. En fait, j'ai tenté de progresser, tu sais, en faisant un espèce de mur de En tourelles. posant des tourelles, ouais, j'imagine. Et bon, bah. Comment C'était pas... dire? Ça marchait pas, c'est ça. Le test n'a pas été probant. Je comprends. Parce qu'en fait, ouais, même à la main, c'est faux, quoi. T'as une quantité qui en sort, c'est. Bah ouais, je veux bien te croire, Et surtout que, bon, ouais, les c'est petits, ça va dégueulasse. encore, mais. Alors, ils posent tout sur le même truc, hein, ça va pas ça. Va falloir Des qu'on petits trucs, ça va encore, mais t'as des gros qui arrivent qui sont bien solides là. C'est vraiment pas pour rien. Si on veut faire un tampon en fait, si on veut faire un tampon, on va faire là. Va falloir y Pourquoi réfléchir, on a ça. des bleus de ce côté-là là? Ça va pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui, mais non, mais je suis con, eux ils remplissent déjà sur deux rangées, donc oui, non, ça ne marche pas ce que je fais. Je peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Drame. Bon. On va refaire notre tampon du coup ici de noir. Ça fera le teuf. D'ailleurs, comment ça se fait que ça arrive pas sur deux rangées du coup ici? Vous faites rien? Ah, ça arrive. Oui, si, ça arrive sur deux rangées, mais c'est juste que ça prend du temps. Ok, très bien. Bon, pas de soucis. On va faire avec ça du coup. Donc là, ça ne va pas non plus. Il faut qu'on contourne. Là, on va contourner. Hop, on va faire un petit tant qu'à faire tampon ici. Au même endroit que l'autre, comme ça sera plus simple dans le concept. Allez, construis-nous des bras. Hop. Je me suis gouré de sens de bras là. Voilà, ça va marcher mieux. Un coffre. Un coffre. Alors par contre du coup, pour arriver, il faudra qu'on arrive au-dessus. On va faire arriver plutôt eux au-dessus. Hop là, ici, on arrive là. Toc, toc. Toc, toc, toc. Voilà. Un petit bras. Et ici, on charge. Voilà, on a des potions bleues. On va pouvoir faire de la science un peu plus. Ça, c'est cool, ça. Ouais, carrément, ça fait plaisir. J'ai posé quelques réservoirs pour stocker du pétrole brut pour que le train puisse faire plus d'aller-retour. Ah, pas Ça me bête, semble pas plus bête. utile. C'est vrai qu'à un moment, c'était le temps qui décharge qui était bloquant, mais...
Il nous manque des moteurs. Pourquoi il nous manque des moteurs? Parce que ça met des plombes à se fabriquer, ce truc. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Oh, tiens, tu pourras faire la prochaine, ces explosifs de falaise. Pour coucher un peu toutes les falaises qui peuvent nous emmerder. Parce qu'il y en a quelques-unes qui sont bien, bien, bien ennuyantes. Explosifs de falaise? Ouais, explosifs de falaise. Ah oui, je vois, ok. Des barils remplis avec suffisamment d'explosifs pour faire exploser des falaises. Pas de soucis. Dès qu'on a terminé ce qu'on est en train de faire, j'envoie ça. Donc du coup, on ne se sert même pas encore des potions bleues et on a déjà un problème de fabrication de moteur. Parce que c'est trop long à fabriquer. Donc du coup, changeons de... Code de moteur, de pièces de moteur, c'est ça? Ouais, de pièces de moteur, ouais, tout à fait. Ouais, il faut, à mon avis, essayer de mettre soit un assembleur ultra développé, soit essayer de le blinder aussi avec... Tu sais, pour qu'il soit plus performant. Ouais, ouais, bah, je peux en rajouter un de plus. Ce sera déjà un petit coup de main. Bon, ça sera pas fifou, mais ce sera un petit coup de main. J'ai aussi plein de moteurs sur moi, cela dit. Toutes les réserves qu'il avait fait. Donc on va les lancer. Hop, hop. Ça sert à rien que je les garde sur moi, ces trucs. Voilà. Pareil pour les potions, d'ailleurs. Potion bleue. Hop. Putain. Potion noire. Je vous ai vu. Alors, est-ce que je peux tout déposer? Comment c'est déjà? Les potions vertes, on va les poser aussi dans le coffre. Non. Voilà, c'est parti. Alors j'ai dû appuyer sur un bouton parce que je ne vois plus... Merde, je ne vois plus les objets. Fuck. J'ai foutu. C'est Alt. Très bien, c'est Alt. Je tâcherai de m'en souvenir. Donc ici, on peut... rallonger ce truc, alors on va péter le circuit électrique, non même pas, ça, c'est redondant, nos circuits électriques sont redondants, c'est parfait. Hop, il nous faut un grand bras pour décharger, ici on fabrique, on a dit, des moteurs, on amène un petit poteau et on est pas mal. Pourquoi j'ai des plaques de fer arrivées ici là? Je me suis planté. Je me suis planté. Bon, on a un shortage de trucs électriques. Comment ça se fait? Pareil, parce que c'est long à fabriquer, c'est tout. Il nous en faudrait plus, ça que vous me dites. On a déjà 3 quand même. Ah, on a un problème de fil électrique. Alors ça par contre, on peut assez facilement augmenter la production. Sens. Petit bras, mets-toi dans le bon sens s'il te plaît. Alors, défi électrique ici, défi électrique ici, un peu de courant. Voilà, on devrait augmenter un peu plus la production déjà. Parfait. Ah, parce que c'est vrai que vu qu'ils servent aussi pour là, mine de rien. Il en faut quand même un peu. Bon, ça devrait être un chouïa mieux. Au niveau moteur, est-ce que c'est notre réserve 88? Ouais, c'est notre réserve qui doit encore se dépiler un peu, mais bon. Le temps qu'elle se dépile, ça devrait aller. Et on a un petit peu de potions d'avance. 48 potions d'avance, c'est pas mal. Notre recharge n'utilise pas de bleu là, pourquoi ça consomme du bleu en... Ah non, c'est du noir.
Voilà, on dirait qu'ils sont un petit peu en déj d'électricité, c'est marrant ça. Pourquoi c'est pas à fond d'électricité? Comment ça se fait? On aurait déjà explosé le côté électrique. Non, mais c'est peut-être un truc spécifique des laboratoires. Consommation max 60 kW, ils sont pas au max. Hein. Je sais pas pourquoi. État faible puissance, est-ce qu'on peut savoir pourquoi? Est-ce que les poteaux auraient une... Ah, les poteaux, ils sont en jaune aussi. Je crois qu'on est en limite. Attends, je vais refaire du... Je vais recaler de l'électricité. Ah, tu penses qu'on est, on est just? Ouais. Donc, il me faut deux chaudières, on va faire ça. Ah, c'est sûr, hein, les modules de vitesse et tout, c'est consommation d'énergie plus 50%, vitesse de fabrication plus 20%. C'est peut-être ça. Le gain est pas ouf, on va dire. Bon, là on a un shortage de ça, mais ça fait le taf, ça bosse. Ok. Ok, ok, ok. Bon, bah du coup, on va s'arrêter là de toute façon pour cet épisode, il est suffisamment long. J'espère qu'on vous aura, ça vous aura plu, mine de rien, on aura réussi à faire du bleu, on commence à voir du pétrole, on a des idées, c'est pas si mal, hein, l'un dans l'autre. Des choses se passent. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à nous dire ce que vous en avez pensé, et du coup, on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Salut.